Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Monsieur va pas tarder à arriver. Moi, je tourne là, du coup, cet après-midi, je suis en congé, donc j'ai plus de temps. Donc, dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir un petit peu la préparation de la chambre de la petite, du coup, l'aménagement de cette chambre-là. Là, moi, je vais m'attaquer aux peintures. Enfin, surtout, vous allez me voir changer de tenue parce que ça sera pas le même jour que je le ferai. Donc, pour les peintures, on a choisi deux couleurs. Vous allez voir ça. Je vous expliquerai tout par la suite. Et pas peindre en fait le pan de mur complet, on va faire des formes un peu géométriques. Voilà, un truc qui change de d'habitude que un pan de mur complet. Voilà, on voulait quelque chose de différent. Et ensuite, dans cette vidéo aussi, vous allez retrouver une partie dressing, un peu comme on a fait chez nous de notre côté. Mais là, ce sera du coup pour la petite, pour cette chambre-là. Et en fait, le dressing que vous allez voir, ça sera le même dans l'autre chambre aussi. Un peu en plein la dernière fois. Ouais. Du coup, j'avais pas mis les scotch et on les a mis dans la semaine là avec Alex. Avec le meilleur. Et là, il va commencer à peindre ce soir parce qu'au départ, on voulait commencer le dressing. Sauf qu'on a eu un petit souci au niveau des planches, au niveau des tiroirs. On vous expliquera ça la prochaine fois quand on commencera vraiment le dressing. Pourquoi on a dû arrêter. Voilà. Donc là, commencer à peindre ce soir. Et demain, je finirai. Et c'est sec, passer une deuxième couche, tout ça. Voilà. Regardez, c'est pas compliqué, peindre. Du moment où ça va gribouiller, faire de la barbouille, c'est bon. Je crois que mon grand-père, c'est Picasso. Mais je pense. Bon, comme ça. C'est classe. Mais après, t'as des techniques. Oh. Ok. Je sais pas si vous avez vu. Attends, je vous rapproche. Je vais pas déborder. Merde. Voilà. Ah putain. Voilà, c'est une là, connerie. Il est allé vite. Il est allé sur le mur. C'est à deux doigts là. Oh. Je vais aller chercher un sofa là. Allez, dépêche-toi. Je te jure. C'est pas compliqué, même. Essuie. Vous avez fait des taches. Essuie. Si vous avez fait des taches, peignez. Recouvrez-les. C'est la peinture à l'eau, donc éponge magique. Non, c'est à lui. Et après, un coup de sopalin pour éviter de... Surtout sur les murs, n'utilisez pas de peinture à l'eau, que de la peinture à l'huile. Ouais, peinture à l'huile, c'est mieux dans les salles de bain, ça résiste mieux. Donc, éponge magique.
Et après, un petit peu de sparin juste pour essuyer. C'est parfait. Parfait. Bah, un petit point, si vous voulez commencer un peu dans la peinture et que vous n'avez pas grand chose, vous avez tout ce qui est matériel un peu débutant. Bon, petit point pour si vous voulez commencer un peu la peinture, que vous n'avez pas grand chose, les essentiels qu'il vous faut avoir, que vous allez pouvoir trouver dans un magasin de bricolage, hein, classique, hein, Leroy Merlin, Bricorama, tout ça. Moi, je les ai pris au Brico Leclerc de chez nous. Donc, bien évidemment, si vous voulez faire comme nous, protéger les plinthes, etc. ou autre, et que ça soit toujours droit pour éviter d'en mettre partout, du scotch bleu. Bleu, n'importe autre couleur, mais bleu, ils sont vraiment bien pour... nous, ils sont vraiment bien pour tout ce qu'on... Si vous voulez faire des motifs, voilà, délimiter des zones et tous les scotchs bleus, très bien aussi. Un rouleau, donc on en a un gros et nous on a un plus petit. Vu que le pan de mur est pas très grand, on prend le plus petit. Et vous en avez encore des encore plus petits épais comme ça. L'idéal pour les rouleaux, c'est de les prendre avec des poils. Voilà, avec des poils et éviter les rouleaux en microfibre, enfin en boudin tout lisse. C'est toujours mieux à poil et la première utilisation, le passer à l'eau, voilà, pour éviter justement que ça se déterre trop, un peu comme ça. Bon, après là, c'est de la première qualité, donc évidemment, vos rouleaux ne vous dureront pas de 100 ans non plus. Ensuite, rouleau, et d'ailleurs, vous pouvez acheter le manche à l'unité et le rouleau à l'unité aussi, comme ce que j'ai fait. Voilà. À l'unité, vous avez les manchons et ensuite, vous pouvez acheter simplement les rouleaux. Donc, gros, petit. Et du coup, après, ils se mettent directement dedans la forme. Ensuite, un petit bac, un petit seau plastique classique de peinture. Moi, j'ai pris... Il y en a qui ne mettent pas de grille, mais j'ai quand même pris la grille parce que ça, c'est... technique de peintre, pour étaler son rouleau, c'est toujours mieux d'avoir la grille que d'avoir ce que vous avez sur le côté là du seau, c'est pas très pratique, donc toujours la grille. Un pinceau pour échampir, donc pour faire les coins ou les autres petits endroits pas trop accessibles avec le rouleau. Donc là, moi j'avais deux tailles, j'ai pris le moyen pour commencer pour la chambre. Voilà, donc ça en matériel, c'est le plus basique que vous pouvez avoir. Et de quoi protéger du coup votre sol, une bâche ou autre. Et ensuite, évidemment, les peintures.
Donc, deuxième couche terminée, comme vous avez pu le voir. L'idéal, donc, quand vous faites de la peinture comme ça, vous faites des petits pans de mur ou juste des bouts de couleurs, la peinture, donc c'est peinture à l'eau hein, la plupart du temps maintenant, c'est 4 heures de séchage à peu près, pour être sûr que ça soit bien sec. Donc, l'idéal, c'est que vous le fassiez sur la même journée pour, en fait, éviter que les scotchs, une fois que ça a séché sur les scotchs, ça puisse écailler la peinture quand vous avez votre scotch si vous l'enlevez un jour après ou deux jours après. Donc vraiment l'idéal c'est de le faire direct, enchaîner en fait les mêmes... Donc l'idéal c'est de faire les deux couches sur la même journée. Et quand vous avez fait la deuxième couche, donc là c'est ce que je vais faire, je viens de finir la deuxième couche, d'enlever directement les scotchs. Comme ça c'est propre, la peinture n'a pas eu encore le temps de sécher et ça va pas être à moitié scotch, à moitié mur, que ça peut s'écailler. Voilà, donc après il y aura sûrement des retouches à faire. Donc deux couches de peinture, 4 heures de séchage entre les deux et enlever votre scotch directement après votre deuxième couche. Voilà. Up like phoenixes, been tired of pushed to the ground.